Hello! Bonjour, bonjour tout le monde! Alors, est-ce que c'est OK? Oui. Bienvenue à toutes. Bonjour Marianne. Coucou Martine. Hello, hello tout le monde. Ah, ça y est, je vois que vous commencez à arriver. C'est super. Bienvenue, bienvenue. Alors, c'est bon, je vois que vous arrivez petit à petit. Je suis contente de vous retrouver. Recoucou Mimi, bonjour André, coucou Christelle. Bienvenue, bonjour Nadine. Ah, c'est chouette. N'hésitez pas à me faire des petits coucous dans les commentaires ou des petits cœurs ou tout ce que vous voulez pour que je sache que vous êtes là. Coucou Martine. Bonjour Chantal. Ça y est, on se retrouve pour un tout nouveau live créatif. Coucou Patricia. Alors, vous allez voir, il y a quelques petits changements aujourd'hui. Je suis obligée de faire des tests un peu technique. Donc, eh bien, je suis avec mon téléphone comme je faisais au tout début, simplement pour faire quelques petits essais techniques. Voilà, l'essentiel c'est que vous me voyez, que vous puissiez avoir le tuto de ce petit sac cadeau. Coucou Marianne, comment ça va? Ok, alors est-ce que tous ceux qui étaient là hier soir sont en forme? Est-ce que vous avez bien dormi? En tout cas, moi je tenais à vous remercier de nouveau aujourd'hui parce que ce petit live d'hier soir m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que c'était chouette de rigoler comme ça avec vous tous, vraiment. C'était super sympa. Et puis ne vous inquiétez pas, on fera le tirage au sort du quiz d'hier soir, juste après la création du petit projet. Coucou Viviane, bienvenue, bienvenue. Bon, alors, dans un premier temps, j'ai un petit service à vous demander, si vous l'acceptez. Seriez-vous d'accord de partager ce live? Il vous suffit de cliquer sur partager et du coup, eh bien, peut-être que d'autres personnes se joindront à nous et je l'espère, passeront un bon moment. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur ma page, je vous souhaite du fond du cœur la bienvenue. J'espère que vous passerez un très très bon moment en notre compagnie. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up dans l'Indre. Et je vous propose chaque semaine un live créatif. On réalise un petit projet ensemble. J'essaye de diversifier un petit peu les projets et les thèmes. Évidemment, tous les projets que je vous propose sont exclusivement réalisés avec les produits Stampin' Up. Bien sûr, on ne se refait pas, hein? Merci Martine, c'est gentil. Coucou Annelise, coucou Fabienne. Mais ne vous inquiétez pas, bien sûr, si vous n'avez pas eh bien, les mêmes produits que moi, aucun problème, vous pouvez sans aucun doute réaliser le projet avec ce que vous avez chez vous. Si jamais vous avez envie de réaliser le projet à l'identique, je vous invite à vous rendre à la fin du live sur mon blog harmoniescrap.fr et là vous retrouverez un article complet avec le tuto vidéo qu'on aura réalisé ensemble, mais également la fiche technique et bien sûr la liste des articles que j'aurai utilisé pour les deux versions. Donc vous pourrez passer vos commandes sans problème. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler ou à vous annoncer pour celles qui ne le sauraient pas encore qu'aujourd'hui et aujourd'hui seulement, la livraison de vos commandes vous est offerte dès 75 euros d'achat. Alors soyez bien attentifs. Ça prend fin cette nuit à 23h59. C'est une promo flash. Donc toute la journée, toute l'après-midi jusqu'à 23h59 ce soir, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une livraison offerte
Dès 75 euros, c'est le moment vraiment de céder à vos envies. Vous pouvez bien sûr cumuler cette promo avec la promo des 15% sur les papiers à motif et bien sûr avec le code hôtesse du mois qui vous permet de recevoir un cadeau supplémentaire de ma part le mois suivant. Donc là aujourd'hui, c'est le jour J, vous pouvez en profiter. Allez-y, si vous aviez des petits coups de cœur, c'est le moment. Et puis si vous avez besoin de faire le plein, notamment par exemple de papier blanc, d'adhésif, etc., c'est le moment de faire le plein de votre stock avec cette promo de livraison offerte. Let's go! Coucou Laurence, alors j'ai vu passer Anne-Lise et Fabienne, je les ai saluées. Coucou Laurence, c'est super chouette. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez la patate cet après-midi. Moi, je suis très très contente de vous retrouver. Vous allez voir, le petit projet, il est hyper facile à réaliser. Vous allez pouvoir comme ça utiliser tous vos papiers au format 15-15. Vous pourrez en profiter pour faire des petits cadeaux, mais vous pourrez aussi décorer vos tables pour les différentes réunions que vous pourriez avoir au repas de famille, par exemple. Dedans, eh bien, il y a un Mars. J'ai mis un mini Mars dedans. Donc ça vous donne un peu une idée de ce que vous pourrez mettre. Les premières versions sont réalisées avec les papiers à motifs des Incolor tout fraîchement sortis. Donc j'ai décliné dans toutes les couleurs. Et aujourd'hui je vais travailler avec une autre collection. Bonjour Christelle, coucou Cécilia, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue. On va démarrer le live créatif. Coucou Marie-Christine. C'est à vous de jouer là tout de suite, le temps que je retourne mon téléphone, puisque je vous l'ai dit, je fais un petit peu à l'ancienne, en tout cas par rapport à ce que je fais ces derniers temps, ce que je faisais, etc. Donc le temps que je retourne mon téléphone, invitez vos amis, partagez ce live pour qu'il puisse être diffusé sur nos réseaux et transmis à nos amis passionnés. Alors, c'est parti. Coucou Daniel. Toc, 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 toc. Voilà, on bascule. Elle est où ma caméra? Elle est là. Voilà. Je redresse tout ça. Christelle, les boîtes, ça t'intéresse? Écoute, c'est parfait. Salut Flo, comment ça va? Alors, voilà. Est-ce que ça va le faire comme ça? Je suis pas sûre que la lumière soit franchement indispensable, mais on va voir. Voilà la fameuse petite boîte que je vous propose de réaliser cet après-midi. Vous allez voir à quel point c'est facile. Le seul endroit où il faut mettre de la colle, ça sera sur le demi-cercle ici, et encore, c'est pas obligatoire, donc vous êtes tranquille. Mais tout ce qui concerne le papier à motif, pas besoin de colle. Donc ça, c'est génial. En fait, tout est maintenu par le petit ruban ou la ficelle que vous allez choisir de mettre pour la fermeture. Donc voilà, et puis bah, coller la petite étiquette, mais c'est tout. Mais en tout cas, pour la structure globale du petit sac, vous n'avez pas besoin de colle, pas besoin d'adhésif. Donc ça, c'est super pratique parce on gagne un temps fou. Vraiment, c'est des boîtes que vous allez pouvoir faire en série sans aucun problème. Et c'est vraiment très très chouette. Alors, c'est parti. Est-ce que tout le monde est OK? Toc. Merci Flo. Chaudement, oui. Bah, nous, ça va. C'est plutôt correct. Il fait un petit peu moins chaud que ça n'a été. Donc voilà cette fameuse petite boîte. Donc je vous le disais, ce sont les papiers Incolor. Ici, c'est la nouvelle Incolor pavé de galets. J'adore, j'adore ce gris. Il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En plus, j'aime bien le fait de cette coordination du papier uni, du papier à motif, du pad d'encre aussi pour le sentiment. C'est juste magique en fait. Alors, pour ce qui est du matériel, j'ai pas pris de petits post-it aujourd'hui, je vous avoue, mais en soi, il n'y en a pas forcément besoin, vous allez vite comprendre pourquoi. De toute façon, il vous faut, oups, je fais tout tomber, un morceau de papier à motif
qui mesure 15 par 15. Donc jusque-là, voilà, c'est l'essentiel de ce dont vous aurez besoin. Ici, c'est le papier Vichy et notamment la couleur... Ah tiens, dites-moi en commentaire, quelle est cette couleur? J'aime bien vous faire deviner les couleurs là. Hier, c'était pareil, on a découvert hier le bleu et des bois. Et aujourd'hui, celle-ci, c'est quoi? Coucou Martine! Qui va être la première ou le premier à me donner le nom de cette couleur? Quelle est-elle? Attention, attention dans les commentaires, qui va pouvoir me trouver le nom de cette couleur que j'utilise aujourd'hui? J'en profite pour remettre ça. Coucou Muriel, t'inquiète, je commence tout juste. Bravo Nadine Clergeau, en effet, c'est bien ça. C'est explosion de baies, exactement. Flo, non, désolé, fruits des bois. Non, c'est pas fruits des bois. Et d'ailleurs, je me demande même... bah non, elle n'existe plus, fruits des bois, elle n'est plus là. Explosion de baies, c'est ça. Bravo. Alors, peut-être qu'à l'image, ça rend un peu moins bien. Oh, j'ai encore le concerto, me fatigue. Voilà, donc ça, c'est la collection Vichy. Donc, papier à motif en promo en ce moment. Donc, c'est le moment. Elle est déclinée en 5 couleurs qui sont vraiment très belles. Vous avez pan-pan-pan, bleu et des bois, explosion de baies, limonade à la limette et pâtisserie au pacane. C'est vraiment trop beau. Ensuite, pour ce qui est du petit cercle ici, il vous faut un cercle de diamètre d'environ 6,5. Donc, évidemment, je suis restée dans la même couleur, bien sûr. Et j'ai découpé un autre petit cercle pour mon sentiment, donc qui est là. Vous allez me dire, tes poinçons, ils viennent d'où? Eh bien, mes poinçons, en fait, tout simplement, ils viennent de ce lot-ci. T'inquiète, t'inquiète, Florence, tout va bien. Ils viennent donc des poinçons forme à la mode, voilà. Et qui sont super sympas parce que du coup, on a des carrés, des ronds, et puis de quoi faire des petites... des petites, comment dire, étiquettes pour les sentiments, c'est super chouette, des petits fanions, bref, on peut faire plein plein de choses avec, donc ça c'est super pratique. Donc les deux viennent d'ici, tout simplement. Bonjour Cassandra, mais non, ne vous excusez pas, tout va bien, je vous souhaite la bienvenue. Regardez, le papier est toujours intact, j'ai pas commencé, je suis simplement en train de présenter ce que je vais utiliser, donc pas de panique. Pour la couleur du sentiment, eh bien, évidemment, hein, on reste dans les mêmes tons. Je crois que les grenouilles avaient trouvé les couleurs. Tu m'étonnes, Martine. Et pour le sentiment qui est ici, c'est un set de tampons que j'adore. Je ne l'ai pas commandé tout de suite, mais depuis que je l'ai, franchement, je m'éclate. C'est celui-ci, cercle amical. Il est vraiment adorable. Il est coordonné avec une perfo ronde. Hop, que j'attrape, qui est là. Voilà, une perfo ronde. Donc, qui permet de tamponner eh bien, les sentiments qui sont ici arrondis ou carrément qui font tout le contour. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, on a des thèmes très différents. Parce que vous voyez, on a les bonnes vacances, on a le joyeux anniversaire, de quoi faire des cadeaux, la retraite. Ah, et puis, évidemment, les anniversaires et tout, les invitations pour les enfants. Bref, il est super complet et il est vraiment très, très chouette. Et on peut le décliner dans plein de couleurs. Souvenez-vous, je vous ai montré, pour ceux qui étaient là hier après-midi, justement, une carte avec, avec notamment cette couronne de fleurs ici. C'était vraiment très joli. Décliné dans toutes les couleurs possibles, c'est vraiment, vraiment un super set de tampons. N'hésitez pas à le commander, il est vraiment très bien. Et il est très très polyvalent, donc c'est un achat qui peut être utile et qui vous sera surtout utile dans la durée et pour plusieurs occasions, donc ça c'est ça ce qu'on aime bien aussi. Alors, voilà pour l'essentiel de ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vous propose qu'on démarre avec le papier à motif ici tout de suite, parce que c'est l'essentiel de ce qui va nous servir. Et accessoirement, vous pouvez prendre votre crocodile pour faire deux petits trous, tout simplement pour faire passer eh bien, le ruban ou la ficelle pour finaliser la fermeture du petit sac. Alors, je prends mon coupe-papier, toc,
Je reprends mes mesures pour pas vous dire de bêtises. Donc, si vous n'avez rien préparé, pas de panique. Regardez le live tranquillement, profitez, imprégnez-vous. Et puis, à la fin, quelques minutes après le live, vous pourrez aller sur mon blog et découvrir la fiche technique où il y aura toutes les mesures, les explications, le schéma, bref, tout ce qu'il vous faut. Vous pourrez télécharger cette fiche et la garder précieusement pour faire et refaire ce projet. Coucou ma petite Marie-France, plein de gros bisous, salut les pandas pour moi surtout. Alors, on y va, c'est parti, vous prenez votre coupe-papier. En fait, nous allons faire tout simplement 4 plis pour cette création, donc extrêmement simple et rapide. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. La première mesure est à 6,4 cm. 6,4 cm. Elles sont bien tes fiches techniques. Merci beaucoup Christelle. C'est vrai que j'y passe beaucoup de temps et c'est très agréable de savoir qu'elles vous sont utiles et qu'elles sont suffisamment claires pour vous. Coucou ma petite Fafa. 8,9 pour le second pli. 6,4, 8,9. Dans ce sens-là, on a juste 2 plis. Gros bisous, ma petite Léa. Je retourne d'un quart de tour mon papier. Donc, les plis que nous venons de faire passent à l'horizontale. Et on vient faire un pli à 3,8. Et à 11,4. 3,8 et 11,4. Effectivement, très bien les fiches et très bien écrites. Merci beaucoup. Miam, la sucette caramba. T'oublieras pas de te brosser les dents, Léa, après. Hein. Voilà. Et voilà, c'est tout. Pour ce papier-là, c'est tout. Après, on va juste faire les plis. Vous avez vu, ça va super vite. Tant que j'ai mon coupe-papier dans les mains, je prends mon cercle. Donc, je vous rappelle, il fait à peu près 3... On a dû jouer à pile ou face. Il fait à peu près 6,5 de diamètre. D'accord. Donc, je vais juste me servir de mon coupe-papier pour faire un pli au centre. Mais vous pouvez le faire à la main, évidemment. Hop. Voilà. Et je viens juste marquer un pli au milieu. Et après, on verra la suite tout à l'heure. Voilà. Il est plié. On le met de côté. Parce que Nani adore aussi les sucettes au caramba. J'adore. C'est bon à savoir. Ok. Alors, maintenant qu'on a marqué nos, on a fait nos plis sur notre papier, on va venir marquer, d'accord, avec notre plioir en os. Pour bien délimiter, bien aligner de chaque côté. Nickel. On fait pareil avec les deux autres. Voilà. Et voilà. Toc. Vous voyez, ça y est. Tous mes plis là sont faits et sont bien marqués. Alors. On va maintenant travailler sur, vous voyez, les deux côtés, là, à gauche et à droite. C'est là que tout va se jouer. L'idée, vous voyez, ça va être de rabattre, en fait, pour pouvoir former ces côtés ici. Et on n'a pas besoin de coller ni de couper. Alors, avant de vous jeter dans la bataille, je vous invite à regarder ce que je fais attentivement pour pouvoir ensuite reproduire sans aucun problème. D'accord? Observez bien et ensuite vous ferez. Donc, imaginez que votre papier, voyez les parties ici, ça sera l'avant et l'arrière. D'accord? Donc, les petits plis, évidemment, seront les côtés. Bien. L'idée, c'est de rabattre ce petit pli ici sur celui-ci en rentrant le papier à l'intérieur. Je rabats ce petit pli ici vers celui-ci. Alors, regardez,
Je m'assure de bien former la pointe. Voilà. Je mets bord à bord les deux morceaux ici. Oula, pardon. Je mets bien bord à bord ici. Et je marque correctement le papier à l'intérieur. Maintenant que la forme est donnée, je peux prendre mon plioir et venir le marquer. D'accord? On fait pareil avec celui en face. Donc, je ramène le petit pli ici, vers le grand par ici, en rentrant le centre à l'intérieur. Regardez, je plie. Hop, je fais attention de bien former la pointe ici au niveau de mon pouce. D'accord? Et je viens aligner donc les deux plis ici. Vous voyez? Voilà, nickel. Je pose. Je fais attention que ce soit toujours bien aligné. Je prends mon plioir et je viens marquer mon pli à l'intérieur. D'accord? On fait pareil avec les deux autres en face. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. C'est pour ça que j'ai bien zoomé et que je fais ça doucement pour ne pas vous perdre. Voilà, on s'assure de bien marquer les plis. Voilà. C'est OK pour tout le monde? Est-ce que le principe est compris? On rabat le petit pli ici vers le grand en mettant, hop, en rentrant le papier à l'intérieur. Comme ceci. OK? Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est clair pour vous. Toc, j'aligne bien, je tiens bien le papier, toc, et je viens marquer avec mon plioir. Voilà. Et en fait, c'est fini. Voilà. Ça va rentrer ici, toc, toc. On pince et on a notre petit sac. Ça y est, c'est fini. Flo, c'est OK? Bon, super. Voilà, tout simplement, notre petit sac, là, l'essentiel est fait. N'hésitez pas à donner une petite forme en le rentrant vers l'intérieur ici. D'accord? Ça se fait de toute façon quand vous allez pincer, mais n'hésitez pas à insister un tout petit peu. Voilà, c'est vraiment nickel. D'accord? Et du coup, voilà, ici, vous allez pouvoir donc insérer vos petites surprises. Christelle a compris, Daniel aussi, c'est parfait. C'est super. Vous avez vu, je vous avais dit que c'était hyper simple. Vraiment, ça ne prend absolument pas de temps à faire. Il y a 4 plis à faire. 4 plis, pas de découpe, pas de collage. Juste, voilà, hop, on a plié. Un simple morceau de papier à motif au format 15-15. Et voilà, on lui donne une super petite forme, super sympa. Vous pouvez, si vous voulez faire une taille au-dessus, multiplier toutes les mesures par 1,5 ou par 2. Là, ça sera vraiment big big, mais c'est tout à fait possible. Oh Patricia, bon courage pour le dentiste. Voilà. C'est chouette, hein? Franchement, c'est chouette. Du coup, avec vos papiers à motifs, avec la promo qu'il y a en ce moment, vous pouvez vous faire plaisir en commandant des papiers. Et du coup, vous allez pouvoir vous éclater. Je reprends ici, dans un premier temps, mon grand cercle. Et je vais venir, en fait, déposer de l'adhésif juste sur un demi-cercle pour venir le coller à l'arrière de mon petit sac. Ça fera un maintien supplémentaire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste histoire de jouer la sécurité. Coucou Eliane, merci beaucoup. C'est le papier de la collection Vichy, celui-là, dans la couleur Explosion de baie.
Il est vraiment très chouette et il s'adapte vraiment à tout, donc c'est très sympa. Tac. Voilà, donc là j'ai mis de l'adhésif juste sur un demi-cercle. Je reprends mon petit sac, j'aligne bien partout. Tac. Voilà, je laisse un peu d'espace pour pouvoir mettre mes doigts et positionner le cercle. Voilà, et je viens le centrer. Je viens le centrer. Tac, voilà. Je pince pour coller à l'arrière. Et du coup, je l'ai mis trop bas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait joli aussi comme ça. Et voilà, du coup, ça donne ça. Merci Eliane, c'est gentil. Tant que j'ai tout ça, mon petit truc dans les mains, hop, je vais le retourner. Et je vais simplement venir faire mes petits trous. Hop, pour pouvoir passer ma ficelle ou mon ruban au choix. Voilà. J'ai pas mal d'épaisseur, j'enlèverai ce qui dépasse après, c'est pas grave. Toc. Voilà. Nickel. Enlever ce petit bout là. Voilà. Du coup, tout est percé. Ça veut dire que mon petit sac, il va être super bien tenu quand je vais poser mon ruban ou ma ficelle. Ça va être vraiment chouette, vous voyez. Du coup, il est bien serré, bien tenu, ça bouge pas, ça s'ouvre pas. Donc ça, c'est bien. Du coup, je vais prendre Méli-Mélo or et argent et je vais prendre du doré parce que du coup, je trouvais que ça ressortait super bien avec explosion de baie. Ça va être très très chouette. Donc, avec des ciseaux, ça va être drôlement mieux, ça c'est sûr. Voilà. Je vais commencer par le passer à l'arrière. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de... Est-ce qu'il y en a, pardon, qui sont en train de scraper en même temps, qui sont aussi en train de faire le projet, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Merci Fafa. Comme quoi, il suffit de peu de choses, hein, pour faire des trucs sympas. Voilà. Pour les fêtes de fin d'année, pour les goûters d'anniversaire, il y a tellement d'occasions pour pouvoir réaliser et offrir ces petits sacs. Ça serait dommage de s'en priver. En plus, question timing, franchement, ça va. C'est vraiment pas trop long. On a déjà presque fini. Vous vous rendez compte? Je suis toujours aussi peu douée pour faire des nœuds. Ah, quoi que ça va, là. Ah, oh, bah ouais. Dites donc, je fais des progrès. C'est plutôt pas mal. Bon, j'ai été interrompue par le téléphone. Oh, bon, André, c'est pas grave. Vous allez refaire avec le replay, sans souci. Vous aurez la fiche technique. Pas de problème. Oui, Christelle, après, pas de souci. Voilà. Et pour finir, ma petite étiquette, je reste toujours avec le même sentiment parce que du coup, je trouve qu'il est idéal pour ici. Je prends. J'attends quatre petites terreurs. Léa a invité des copines. Wouhou! Bon courage, Nani! Explosion de baie, toujours, on reste, hein, bien sûr, dans la même couleur. On est accro à la coordination ou on ne l'est pas, je vous dis, hein. Voilà. C'est pas top. C'est même assez rapide, mais on est d'accord, Marie-Christine. C'est super rapide. Je prends des petits dimensionnels, juste pour le fun et donner un petit peu de profondeur à ma déco. Voilà. Toc. Toc. Hop. Fafa.
Et du coup, je vais pouvoir venir le mettre ici. Je pense à la coordination des couleurs, ça me fait penser à une personne qui me posait des questions, qui s'intéressait pour savoir, pour devenir ma filleule et tout. Et on parlait justement des coordinations de couleurs et elle me disait, non mais ça c'est vrai, ça fait longtemps que je scrape. Mais sincèrement, c'est vraiment avec Stampin' Up que c'est si coordonné, si beau, si facile à travailler. Vraiment, c'est chouette. Et en effet, elle a raison. Parce que là, du coup, on a vraiment tout sous la main pour pouvoir faire des super choses. Donc, ça me fait penser aussi que si vous ne voulez pas profiter de passer une commande avec la livraison offerte, moi, je dis que vous pouvez aussi choisir votre kit de démarrage pour rejoindre l'équipe des Stamp Lovers. Jusqu'au 30 juin, vous savez, hein, c'est 207 € de produits choisis, vous n'en payez que 129. Et du coup, hier soir, on se disait, pendant le live, parce que beaucoup de mes filleules étaient là hier soir, qu'on était une bande un petit peu de barjots. Mais des gentils barjots. Et du coup, ben, on s'est dit qu'on aimerait bien avoir un petit peu plus de monde de l'équipe qui puisse vivre et profiter de toutes ces belles choses. Voilà les deux versions de ce petit sac. Pavé de galets ici dans les Incolor, collection Vichy ici avec explosion de baies. Mais on peut vraiment, vraiment, vraiment imaginer tout un tas de thèmes, tout un tas de couleurs, tout un tas de versions, tout un tas de sentiments. Et vous pouvez même le garder de côté, ce petit tuto-là, pour les fêtes de Noël. Bon, je sais, on a encore de la marge, je suis d'accord. Mais on s'y prend jamais trop tôt. Merci Marianne, gros bisous. Désagréable barjot. Ça, c'est gentil, Marie-Christine. Voilà pour ce petit projet. Je vous avais dit hein, que c'était vraiment quelque chose d'hyper simple. Alors, je sais que vous êtes très nombreuses à attendre les résultats eh bien, du quiz d'hier soir. Merci, Christelle. Et donc, je vais procéder au tirage au sort. Ou alors on met le prénom. Oui, 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 Daniel, exactement. Parfaite idée. Alors, bougez pas. Je reviens vers vous. Me revoilà. Coucou. Dans le bon sens. Merci, Christelle. Alors, bougez pas. Toc. J'ai repris mon petit pot. Il y en a plein dedans. Je vous remercie d'ailleurs à toutes celles qui ont participé eh bien, au quiz d'hier soir, qui restera un très très bon souvenir. Pas en live, Marotine, je les enverrai aux personnes qui ont répondu, ma bichette. Alors, je promène tout ça, je m'allage tout ça. Alors, attention. Toc. Attention, est-ce que vous êtes prête? Cathy, bravo ma bichette, c'est toi qui as remporté le quiz. Bravo, bravo, je t'enverrai tes petits cadeaux avec ta box. Tiens, voilà, une bonne idée. Christelle cherchait un tuto pour des boîtes. Et ben voilà, il n'y a pas de souci. Gros bisous, Fafa, bon courage avec tes petites terreurs. Il y en a plein aussi, j'en ai fait plein d'autres. Hein, donc, sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog, vous trouverez tous les tutos que j'ai pu faire. On est quand même au 155e aujourd'hui. Ça commence à faire. Ça commence à en faire quelques-uns. On est bien d'accord. Mais du coup, c'est tout autant d'idées de projets, de créations, que ce soit des cartes, des boîtes, des mini-albums. Voilà, vous avez plein plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je suis sûre que vous trouverez plein 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 d'inspiration. Et ben voilà, ce fut un live un peu plus court que d'habitude, mais tout aussi intéressant pour vous, je pense. Vous allez pouvoir vous éclater à faire plein de petites boîtes. N'hésitez pas à les adapter, à les agrandir, à trouver des thèmes différents, à utiliser tous vos papiers sans aucun souci. Ils sont tous disponibles. André, de quoi parlez-vous? Des papiers? Oui, tout est dispo, il n'y a aucun problème, vous pouvez passer votre commande ou m'appeler que je passe votre commande pour vous, il n'y a pas de souci.
Coucou Francesca, zut, tu arrives à la fin du live, mais aucun problème, tu vas pouvoir retrouver le replay. Christelle connaît très bien mon blog. Ah, merci beaucoup, ça veut dire que tu y vas très souvent pour t'inspirer, ça me fait plaisir. André, les lives. Oui, les lives sont tous disponibles sur ma chaîne YouTube. Tous, 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 tous. Sans aucun problème, ils ont tous été partagés, donc pas de souci. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle après-midi. Amusez-vous, prenez soin de vous, prenez une petite pause, ça fait toujours du bien. Si vous avez des questions quant à vos commandes ou bien pour rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de papoter avec vous et de répondre à toutes vos questions. Parce que sincèrement, je vous assure, ça vaut le coup. Et j'ai vraiment très envie de vous accueillir parmi nos petits barjots que j'aime tant, qui sont si gentils, si bienveillants et tellement passionnés. Parce que c'est ça ce qu'on aime aussi, hein. C'est pouvoir partager autour de notre passion. Et c'est ça ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, j'ai envie de vous dire, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, vous prenez pas de risque. Sincèrement, vous prenez pas de risque. Au pire, vous prenez le risque de vous faire plaisir en achetant des produits que vous aimez. Et puis, c'est tout. Testez, on verra bien. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live. Ciao, ciao. Il sera question de papier à motif, mais que l'on peut utiliser à bon escient. Je vous en dis pas plus. Ciao, ciao!